Monsieur Julien Aubert, chut. Oui, alors, en matière d'écologie, on est tous dans un écosystème, hein, avec des interactions multiples. Donc on... Oui, donc vous savez, c'est l'histoire du papillon et de la tempête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi définir des périmètres. Prenons un exemple concret. Dans l'affaire de l'aéroport d'Notre-Dame-des-Landes, on a bien interrogé les gens des territoires directement concernés. Pour... Non mais si, on a bien demandé l'avis des gens directement concernés. Le principe de solidarité écologique, on pourrait considérer que l'impact écologique d'un tel projet, les gens des territoires indirectement concernés, c'est-à-dire ce reste du territoire, votent aussi. Donc on voit bien que le gouvernement a une stratégie d'enquête publique ou de consultation sur le territoire direct. Donc je pense qu'il faut être totalement dans cette lignée-là et bien limité au périmètre de solidarité écologique. Bon, je vous avoue que je n'ai pas tout à fait compris pour le moment sur la conception du principe de solidarité écologique, qu'est-ce que derrière on met, notamment au plan financier et au plan concret, mais en tout cas sur son aval, c'est-à-dire ce que vous venez de dire là, je crois que c'est beaucoup plus prudent de limiter, et en plus ce serait plus cohérent, et l'action gouvernementale qui a été menée ces dernières semaines.